Aujourd'hui, vous avez seulement deux puissances capables de produire des avions de ligne, les États-Unis et l'Europe. Et l'objectif de la Chine, c'est de dire on est la troisième puissance capable de produire des avions. Le Comac C919 est un avion de transport civil monocouloir. On est au maximum sur 168 passagers. C'est un programme qui a de grandes ambitions, c'est-à-dire concurrencer la famille A320 d'Airbus et B737 de Boeing, c'est-à-dire les deux modèles d'avions les plus vendus de l'histoire de l'aviation commerciale. Il tablait au début sur une mise en opération commerciale en 2018. Il a pris 5 ans de retard et ça a un impact extrêmement fort sur son positionnement. À court terme, ce n'est pas une menace pour ses deux concurrents, Airbus et Boeing, à cause de ces retards accumulés. Par contre, c'est un signe du développement effectif de l'industrie aéronautique chinoise. Le C919 est un peu le chouchou du pouvoir chinois. Démontrer que la Chine est capable de développer et produire un avion, que ce soit un avion de ligne ou un avion militaire, c'est démontrer que vous êtes capable de développer des technologies de pointe. Parce que son but aujourd'hui, c'est vraiment être le numéro un dans tous les domaines. Le C919 est véritablement une enveloppe de papier estampillée Made in China. Le seul problème, c'est que le C919 effectivement produit en Chine, mais avec une myriade de technologies américaines, mais aussi européennes. Il est probable qu'on puisse imaginer une certification. Alors, sauf complications géopolitiques par rapport aux États-Unis, mais par exemple en Europe, à une échéance de 2 ou 3 ans. Après, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. C'est l'acceptabilité pour des compagnies étrangères d'un appareil chinois. Il y a un problème d'image encore traîné par l'industrie chinoise qui souvent n'est pas justifié. La certification du C919 a été très longue parce que les autorités chinoises étaient exigeantes. Il y a aussi des questions comme le fait que vendre un avion, ça implique tout un réseau de soutien pour sa maintenance. Comac, le constructeur du C919, est encore loin d'être arrivé à ce stade. Merci.